Et bonjour à tous, c'est Akoris et on se retrouve sur Phoenix Rising. J'enregistre directement après le premier épisode, donc je n'ai pas eu vos réactions. Je ne sais pas si ça vous motive, je ne sais pas si ça vous plaît, tout ça, tout ça. On va continuer avec un épisode aujourd'hui. J'avais vraiment trop envie de jouer tout de suite en fait, je vous avoue. J'allais pas attendre une semaine pour y jouer. Sous l'eau là? Ah oui. Alors, attention parce que là on n'est pas dans assez. On entend limiter dans l'eau hein. Et notre bonhomme là il est là-bas. Oh ça va être pratique pour aller le voir hein. On va descendre. Ouais, non, ça va. Bonjour les gars. Vous aussi, vous avez une merde. Hein. Qui vous a fait ça? Bon, promettez, ça suffit, les scènes de chouine avec les mortels. Un peu d'action. Entendez. Là, c'est mieux. Ah, c'est peut-être des pommes d'or, le bordel, là-haut. J'essaie de trouver ce que ça peut être. Ouh, ils ont volé. Contrairement à la chimène, des grenades. Laquelle s'était vue transformée en marbre, celle des grenades s'épanouissait hardiment, gorgée de vie. Je trouve ça bien poétique pour quelque chose qu'on se colle dans la bouche. C'est un peu le but des meilleures poésies, non? J'adore le rythme. Jusqu'à l'autre côté. Oh bah attends, on va déjà défoncer cela. Du coup, je peux arriver discrète. Oh, oh que ça fait des dégâts. Ah ils ont gardé le, hein, ils ont gardé les attaques du grand frère. Par contre j'adore comme ils... quand tu les désingues ils se font exploser mais alors l'autre bout de la map quoi. Il n'y a pas du tout d'abus. Il y a un truc au fond là apparemment. Je suis pas parti du tout du bon côté. Hein. Si? Ah si, si, si. Bon, par contre, il va falloir qu'on affronte un griffon, vraiment. On va prendre ça avant. Ah bah oui, j'arrive discrètement et lui il hurle. J'arrive. J'ai trouvé ta hache. Phoenix s'approcha de la hache, ayant senti qu'elle l'appelait. On dirait la hache d'Atalante. Ce doit être une copie. Quoique... Mais avant que Phoenix ait pu la saisir, la hache fut attirée dans le trou par une force terrible. Bon, bah allons-y, hein. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise? On va y aller. C'est terminé pour Phoenix. Formidable, hein, comme histoire. Bon, il y a deux... trois fallait pas y aller. Pas à cette fin. Donc, voilà. Il est temps que tu me donnes un coup de main face à Typhon. L'histoire n'est pas finie. Loin de là. Expert en gestion des mortels. Oh, mon sang. Ah. On est où? On est dans Kingdom Hearts? Ça y est, un truc au sol. Quel est cet endroit? Passage dans l'abîme. En effet, quel était ce lieu étrange? Le Tartare.
Mais où exactement était arrivé Phoenix? Le Tartare, le gouffre pourri où j'ai enfermé Typhon. Il a dû ouvrir des failles vers les cryptes des enfers quand il s'est échappé. Je le sais, tu le sais. Alors autant le dire. Phoenix était dans le... Voilà. Je te hais. Tu n'aimes pas le suspense? Non. Allez, continue. C'est une espèce d'énigme. Comme ça. Il y a des ailes là-bas. Des ailes. Et un coffre. On prend le coffre. Oh là, ce coup de pied dedans. Il se pose pas de questions, le gars. Ok, j'ai plein de cristaux, alors je sais pas quoi servent les cristaux, on verra bien par la suite. Oh mais je suis revenu au début là. Je veux bien, mais c'est d'être là-bas qu'il faut que j'aille, non? Là, si je fais ça... Ah ok. Ah oui, je pouvais pas passer tout à l'heure parce qu'il manquait celui du milieu. Mais maintenant, il y a moyen. Hop là! Bon, je pensais que j'avais un peu trop espéré, mais non, ça va. Qu'est-ce que c'est? Des ailes? En les caressant de la main, Phoenix remarqua qu'il manquait des morceaux. Comme si quelqu'un les avait arrachés. Ce ne sont pas des ailes naturelles. Je me demande comment elles fonctionnent. Si elles fonctionnent. Ces ailes d'Icar? Il y a beaucoup, beaucoup de références, hein, c'est... Est-ce que ça vous intéresse si, à la fin des épisodes, je vous raconte... Alors, pas sur tous les épisodes, parce que... Enfin, presque. Mais si, sur certains épisodes, je vous raconte un peu... ben, là, par exemple, ils ont fait des références à... au mythe du cyclope, ils ont fait des références à plein de petits mythes, ou gros mythes, hein. Ils ont fait la référence à Achille, ils ont fait la référence à plein de choses. Et est-ce que ça vous intéresse que je vous raconte un... Ah ! C'est pas comme ça. Je pensais que ça planait. Est-ce que c'est... Dites-moi si ça vous intéresse, et à la limite je pourrais raconter, rajouter une petite partie... en fin de vidéo où je raconte ce genre de choses. J'essaie de comprendre comment elle marche, mais j'ai un peu de mal. Attendez. Ouf. Ouais, il aurait fallu que je maintienne plus longtemps au départ. La hache d'Atalante, la meilleure chasseresse, la plus rapide des héros, vaincue par Typhon. Je l'avais pas transformé en lionne. Tu as transformé beaucoup de gens en beaucoup de choses. Ça aussi, par exemple, c'est une référence. De picoler. À la limite, ça pète les boucliers en plus, apparemment. Et ça stun.
finir celui-là. Il au sol, hein. Voilà. Tu es toujours là. Je sens quelque chose d'autre en toi. T'as sauvegardé du coup? Pas vraiment. Apparemment non. Ah, peut-être là. Ah. Faut que je garde appuyé pour qu'il vienne jusqu'à moi, c'est ça? Mais c'est l'un de mes éclairs. Où ça? Dispersé. Là-bas. Dissimulé par Typhon. C'est fini. Un tas de cendres, le petit phénix. Il n'y a que moi pour résister aux éclairs. Ah, vraiment? Ils m'éclatent tellement avec leurs histoires à côté. C'est génial, je trouve. Une réplique de la foudre de Zeus? Je le crois pas. Lui voit que des répliques depuis le début. Le pouvoir envahit Phénix. L'intensité était incommensurable. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Adieu, mortel. Mais, d'un seul coup, tout s'arrêta. Non! C'est dans le milieu! Les ailes absorbèrent la foudre. Elles étaient conçues pour résister aux orages. Ah non, c'est les ailes. C'est pas possible, ça. Et pourtant, nous n'en étions qu'au début. Petite parenthèse, j'adore, vous regarderez hein, quand on voit Prométhée et Zeus, et là on l'a vu un peu, les espèces de petites... Ah, trop loin. Les espèces de constellations qui apparaissent sur la peau des Ayant personnages quand ils sont magiques. À plonger dans l'abîme du Tartare, Phénix ressortit victorieux. Pour l'instant... Où est passé l'étranger que je poursuivais? Grâce aux ailes, il pouvait traverser l'ancien pont et le découvrir. À sa place, je ne mettrais pas ce genre de truc. Va savoir où ça a pu traîner, ça. Bien des soirs, Phénix avait conté les récits d'un génie. Dédale, un inventeur voilà. Nommé Dédale et de ses ailes extraordinaires. Peut-être que quelqu'un les a recréées, se dit-il. Super! Ah mais... Peut-être qu'elles sont maudites. Il cherche toutes les excuses du monde. Bon, alors attendez. Le pont qu'on pouvait pas passer était là-bas. Mais... La carte. Ah oui, on n'a pas ouvert le menu la dernière fois, dites. Donc les épées, les haches. Donc on peut avoir les deux, hein, apparemment. C'est quoi le... Ah, ça c'est pour améliorer, procéder aux améliorations. Rendez-vous à la forge des Phaistos. Ok. Donc les gemmes qu'on récupère, c'est pour améliorer. Ok. Là, on a différentes ailes possibles. Les armures, hein, c'est logiquement, on a des tenues différentes. Ça, je ne sais pas, il y a sûrement un arc qui traîne quelque part par là. La carte. Du coup, le pont cassé, il est où? Le pont dont on parle, il... Ah, il est là. Oui, donc là, pour l'instant, ouais, je suis là. Et donc, j'ai accès qu'à ça. Ça, il doit falloir Ulysse, il doit falloir l'arc, hein, vu le symbole. Écoutez, pour l'instant, on va pas faire trop d'exploration, on va surtout avancer. On va essayer de franchir ce pont. Je vais peut-être essayer le défi mythique. Défi mythique, ça sonne un peu trop mythique à mon goût. Hein, je... On va essayer de récupérer le coffre sur le chemin, là. Faut que je fasse gaffe à l'énergie, je vais réussir à mourir. Le nombre de fois où je suis mort dans Breath of the Wild à cause de l'énergie. Il y a un truc là sous le bateau. C'est ce genre de truc. C'est quoi? Bon, bah, du coup c'est ce que j'avais vu, donc ça nous intéresse moins.
Ah, le trésor doit être dans la grotte là. Ah, il y a un truc à côté aussi, enfin, je fasse gaffe. Bon, ça, ça donne des cristaux. Ambre, collecter l'ambre dorée pour accroître la puissance de vos potions. D'accord. Une jarre? Je vais l'emporter au cas où. Bah, prenons une jarre. Je sais pas comment nous servir, mais prenons une jarre. On va attendre. Non, attends que ça remonte. Tac. Oh, ça m'a l'air gros, ça. C'est un ours? Ouais, bah ça sera loin de moi, l'ours. Hein. Non, vraiment. Surtout que ça loot pas en XP. Oh, il est beau. On a une fonction. Oh, on a une fonction photo. Attendez, parce que... On peut pas déplacer? Si, on peut forcément déplacer. Hop. Attendez, comment on déplace? On a forcément un moyen de... Non? Genre... exposition, contraste, flou lumineux, brouillard. Non, bah je sais pas comment... Mais je voulais voir le nounours de plus près. Je poute. C'est quoi ça? Ça ressemble à de l'or, mais apparemment ça nous intéresse pas. Ah, c'est sympa ça. Et le pont était par là. Il y a des grenades. Pour l'instant, les combats, ça va. Mais bon, je m'attends à tout après. Hein. Je me méfie. Ah. Wouah. Attendez, j'ai rien compris. Oui, mais ça marche pas du tout. On va remonter, hein? Ça en fait des champis bleus là-bas, mais on va pas s'amuser à tout ramasser. J'en ai déjà beaucoup là. Saute, oui. Alors, je comprends pas comment ça marche cette histoire de sprint. Ça marche pas du tout! Bon! Non, monte pas là. Après, voilà. Voilà. On va trouver. Non. Merci. Là! Oh, j'ai pas tout compris, hein, je vous avoue. Ah! Je viens à ton secours! Tiens bon! Bon, attendez, parce que moi je voulais tester là. Si seulement Ligiron était là. C'est lui le héros célèbre, pas moi! D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Endormir les créatures du Tartare en leur racontant une histoire? C'est une idée comme une autre. Ça peut avoir un certain effet, hein. Là, on a un défi de vitesse a priori.
Je sens moitié moyen, hein, je vous avoue. Je crois que j'ai pété le trois pieds fous. Merde! Je crois que j'ai activé le défi. Aucune idée de ce qu'il faut faire en plus, mais j'ai activé le défi. Défi de déplacement. Oui, bah oui, on va essayer. Je sais pas du tout ce que c'est. Non. Il va falloir que j'arrive là-bas avant que ça s'arrête. C'est ça. Tout simplement. Et c'est... Fais pas ça, hein. C'est super flippant faire ça. Faut pas faire ça, mon garçon. Une pièce étrange, portant la marque de Caron. Typhon les a volés aussi. Caron économisait pour construire un pont. Bah oui, c'est logique en fait qu'il économise. Après, il va perdre son boulot, hein, mec, si tu fais ça. C'est... J'ai pas vu à quoi servaient les pièces, du coup. J'étais trop concentré à écouter les conneries de gosse, je vous avoue. Ils ont l'air contents. Moi, ça n'a pas suffi à le tuer. Mais c'est quoi ces sangliers de fou? On va se calmer, mon grand, hein. Voilà! Non mais! Du coup, il loot bien, il loot des cristaux, donc ça peut être intéressant pour améliorer ensuite le matériel. Ah, il faut aller là-haut? Oh, c'est. C'est pas cool. Non, vraiment, c'est pas... C'est pas génial comme, comme zone. Ah, il y a une ambrosie là-bas. Je suppose que c'est là qu'on va, donc il va nous arrêter. Les moutons. Ah! Donc ce n'est pas une gorgogne, c'est un gorgogne, visiblement. Ouais, croisé avec Jabba le Hutt, hein. Quelle est cette lueur? Peut-être qu'en approchant discrètement... Oh, bah fais dodo. Il reste accroupi, toi. Lui laisse pas le temps de respirer, tu veux bien. Voilà. Oh. Ces brassards, je les ai déjà vus en dessin. C'est impossible. Et pourtant, Héraclès, le plus puissant des mortels, le tueur de bêtes, a défié Hera et réalisé l'impossible en portant ses brassards. Dorénavant, ils appartenaient à Phénix. On appelle ça de la chance. Elle est toujours là, lui. Arrêtez! Il y a plein d'autres! Par ici! Affrontez plutôt quelqu'un qui est armé! Ah bah l'autre, il se barre. Bah, au moins on l'a sauvé.
Oh, mais c'est monstre, quoi, sérieux. L'ambiance est juste tellement peu sérieuse, c'est très drôle. Oh, c'est une tortue. Ainsi, Phoenix, après avoir triomphé de la Gorgone qui avait attaqué Héraclès. Qu'est-ce que tu fais, là? Cette chose, avec ta voix. Héraclès? Oui, c'est quoi, ça? Ben oui, c'est comme ça que ça se prononce. Ça a l'air épuisant. Un coup à s'esquinter la santé. Sauf que je suis immortel. Ça va, pas la peine de le rappeler. Ok. Alors, on va récupérer ce bordel là-haut. C'est pas là. Je l'ai vu là. Bien vu. Il est là. Tac. Il y a quoi ramasser? Par les dieux, oh, j'ai l'impression de pouvoir soulever une montagne. Si seulement ah. Ce corsaire pouvait déplacer celle-ci. Non, mais vous voulez pas vous embrasser non plus. Ok, donc les brassards servent à faire ça. Ok, ça marche comment ce bordel? Lancer, RT. Je peux choisir où je lance. Ok. Ok, bon pourquoi pas après tout. On n'avait plus rien dans ce sens là. Non, bon il y a 2-3 petits trucs à fouiller mais ça va. Ok, c'est pas ça. Pouvoir divin 1 sur 25. Ah oui, il y a de quoi faire. D'accord. Ok. Et ça. Je pense que j'ai rien pour l'instant hein, de ces combos. Il va falloir les débloquer au fur et à mesure. Pourquoi il y en a qui sont grisés et pas les autres du coup? Ah, point de compétence. D'accord, Caron, c'est les points de compétence. D'accord, je peux en débloquer 2 du coup. Ok. L'achèvement, il va falloir que je lise tout ça. Il va falloir que je lise tout ça. Ça c'est quoi? Pour se déplacer dans l'eau. Et on le fait déjà, non? D'accord, il faudra que je lise tout ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. On peut soulever des gros trucs comme ça? Ah oui! Du coup. Est-ce que je peux ramasser ça et balancer là-bas? Ça marche! Ça marche! Ça n'a même pas trop affolé les autres. On en a un autre de cailloux? Ah bah les cailloux ça va devenir mon arme hein. Moi je veux des cailloux partout hein. Ah, il est censé avoir un coffre. Oh, ah oui. Ah, il y a un minotaure qui fait dodo. Regardez comme il est mignon. Oh. Je sais pas si je tente en fait. Je le sens à moitié quand même. Je suppose qu'il faut forcément le vaincre. Ouais, il faut forcément le vaincre pour y avoir accès. Je sens à moitié le gros balèze. Il y a un truc là-haut qui m'intrigue. Faut qu'on aille où à la base? Ça y est, je me suis déjà perdu. Faut qu'on aille là-bas. Jusqu'à l'île en forme de tortue. D'accord, bon, faut bien aller là-bas. Oui, mais... Bon, on verra plus tard, ça. Là-bas, il y a un truc qui brille aussi. Non! J'ai déjà utilisé. Oh, aïe. Par contre, l'harpie... Moyen sans arc. Hein. On va attendre d'avoir un arc avant de tester tout ça, hein. On peut être. Faut que j'arrête d'utiliser les ailes dans tous les sens. Hein. Faut que j'arrête d'utiliser comme ça.
je vais entrer? C'est une très bonne question, ma foi. Ah bah oui. Bah oui, LB. Traction d'objet. Non, on va pas soulever, juste. Oh, je pensais qu'il pouvait la soulever avec les brassards, moi. Bon, bah avec ce truc, je suppose, du coup. Voilà. Je vois pas à quoi ça va me servir, du coup. Sauf si je le balance dessus, mais... Non, c'est pas ça. Bah, faudrait pouvoir la soulever et pouvoir glisser ça dessous, mais... On peut charger le tir. Ça change rien. Voilà. Sprint. Ça ne sert à rien. Ah. Attendez. Par contre, si je descends, voilà. Il y en a un autre, il est là. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Il y a un trésor là-dessus. On se fait une collection de grenades, les gens. C'est bon qu'il fait par moment, j'arrive pas à comprendre comment j'en fais aussi bien. Faut que je prenne l'habitude, c'est tout. Il est tombé là-dedans. Ok. Je vais te sauver, je te le promets. Il y tient, il y tient. Bah écoutez, nous on va s'arrêter là parce que si on replonge dans un truc, dans une abysse, ça va prendre peut-être un peu de temps. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt. Hein? Donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo à propos de la question que je vous ai posée. Voilà, voilà. Allez, à toutes.